On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a Célie, je vous retrouve aujourd'hui pour la semaine de Noël. Donc oui, nous sommes le 23 décembre et demain c'est Noël. Alors je sais pas pour vous, mais nous on a pris l'habitude, donc avant on les ouvrait le 25 au matin, et depuis 5-6 ans maintenant on les ouvre tout le temps le 24 à minuit. Donc du coup c'est à peu près comme 25 au matin, on va dire. Donc demain à minuit j'ouvre mes cadeaux et je vous montrerai, je sais pas si j'essaierai de vous montrer le déballage, parce que généralement ce qu'on fait, on a une tradition, c'est que on est du coup à table, on fait un gros apéro dînatoire en fait le 24 au soir, et ce qu'on fait c'est qu'on tire au sort et chacun va choisir un cadeau au hasard sous le sapin et l'offre à la personne dont il y a le nom dessus. Et du coup on trouvait ça sympa de faire ça et on le fait maintenant depuis plusieurs années, et normalement c'est comme ça que ça se déroule. Donc je sais pas si j'arriverai à vous filmer mon semi-déballage de cadeaux. Et oui, aussi j'ai mon sweater de Serdec, le cadeau que je me suis offert, donc je vous l'ai dit dans mon bilan du précédent Vlogmas, mais je le redis parce qu'il est trop beau, et en plus il a sorti au sapin parce que j'ai fait un sapin en bleu argenté, donc les couleurs de Serdec, donc j'étais plutôt contente de moi. Alors, aujourd'hui, le programme de la journée. Je vais tout de suite après faire le vlog, le montage pardon, du vlogmas de la semaine dernière, et je vais du coup le mettre en ligne aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est compliqué de vous de vous donner à temps. Donc heureusement que j'ai choisi de vous les poster le lundi, parce que ça tombe très bien, je peux faire mon bilan et commencer du coup le nouveau vlog. On ferme la parenthèse, donc j'ai ce montage à faire, je dois mettre en ligne. Je dois également emballer mes cadeaux, ça je vous le filmerai, et puis comme Noël sera passé, je m'en fiche voilà, que les gens voient les cadeaux que j'ai prévus pour eux. Ensuite, je vais repasser, parce qu'on a une montagne de linge à repasser, et je vais me mettre devant un film de Noël, je pense, pour le faire. Je dois également me refaire les ongles, voilà, petite manucure, parce que du coup, aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre, je ne veux pas revoir mes cours, je vais seulement faire de la planification et de l'organisation pour la fin d'année et le mois de janvier au complet. Donc je vais seulement planifier. Donc c'est vrai que si vous me voyez en fait avec des cours et tout ça, bah c'est normal. Voilà, c'est juste de la planification et de la bonne organisation pour avoir mon année de BTS. Ensuite, donc il y a ça, la petite manucure, oui, parce que du coup aujourd'hui je vais me chouchouter. C'était ça que je voulais dire. Je l'ai déjà dit, je crois. Je suis désolée, je suis tellement à l'ouest. Pourtant j'ai bien dormi. Pandore m'a pas trop énervée, parce que généralement, en fait, la petite, ce qui se passe, c'est que c'est bien, parce que même si je mets un réveil, elle me réveille hyper tôt, tout le temps, en fait, elle me saute dessus, ou elle veut essayer de rentrer dans la couette, sauf que comme il y a mes bras à peu près à la même distance, elle me griffe au passage, donc ça me réveille. Voilà, donc j'ai un réveil sur pattes qui est fixé généralement vers 7h30, 8h, quand elle entend mon père se réveiller. Mais cette semaine, j'étais très fière de moi. Je vous en parlerai un peu plus aujourd'hui et dans la semaine. Mais parce qu'en fait, j'ai comme objectif de me réveiller plus tôt. Je vous parlerai de ça plus tard avec plus de détails. Il faut que j'y pense d'ailleurs. Je pense que pendant que je vais faire mes ongles, ça va être un moment blabla. On se donne rendez-vous aujourd'hui pendant que je fais ma manucure. Je vous parle de mon objectif de l'année 2020 par rapport justement à d'un point de vue du développement personnel. Voilà, c'est fixé, on se donne un rendez-vous. Voilà. Cette semaine, alors, comment ça va se passer? Aujourd'hui, objectif, préparation, chouchoutage, planification. Demain, Noël, je ne sais pas s'il y aura pas mal de préparations culinaires à faire, mais ça va être sans doute voilà, journée famille, film, tout ça. Et on verra ce que je dois faire. Normalement, je dois faire aussi des biscuits de Noël parce que je les emmène le 25. Le 25, je ne suis pas chez moi, je passe du coup toute la journée chez l'oncle de mon copain, parce qu'ils font un gros repas de famille et ils m'ont invité. Donc du coup je fais mon repas de Noël chez eux et j'emmène des biscuits de Noël. D'ailleurs aujourd'hui il faut qu'on aille acheter une boîte à biscuits. Mais voilà, et le reste de la semaine je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Le 26 je suis aussi chez mon copain, parce qu'on rentre très tard en fait de chez son oncle et je vais directement chez lui.
Et du coup, en fait, c'est un peu flou le reste de la semaine, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais normalement, cette semaine, je ne travaille pas, je planifie seulement, voilà, je vois un peu ce que je peux améliorer en 2020 dans ma vie d'étudiante, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de booktubeuse. Mais ça va être sûr, voilà, surtout de la planification et de la lecture. J'ai une pile de livres à lire. J'avais prévu énormément de livres pour le mois de décembre que je vous avais présentés. Et heureusement que j'avais précisé que c'était un petit peu pour le mois de janvier d'ailleurs. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me 7 swans a-singing, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge. Je retrouve pour la partie un peu blabla dont je voulais vous parler. Alors, si vous entendez des bruits de clapotis, c'est qu'en fait j'ai mis un petit bac pour attendrir entre guillemets la peau de mes mains, en fait l'épiderme, pour que je puisse faire un premier gommage en fait de mes mains, pour ensuite faire un petit masque et ensuite du coup m'occuper de mes ongles. Du coup, en attendant, je vais pouvoir discuter avec vous et vous parler du coup des projets que j'ai en fait pour l'année de 2020 et de la raison pour laquelle j'ai lu du coup j'ai voulu feuilleter, on va dire, les accords Toltec. Alors, il y a maintenant 2 ans de ça, j'ai lu le livre de Hal Elrod, donc c'est Miracle Morning. Et dans ce livre, en fait, Hal Elrod nous explique un peu comment mettre en place une routine matinale et comment se lever en fait tôt, mais uniquement pour prendre du temps pour soi. Donc c'est-à-dire que si vous prenez le boulot, on va dire à 7h, que d'ordinaire vous vous levez, on va dire, à 6h pour vous occuper vos gosses, faire des choses en fait à droite et à gauche, et ben en fait il vous suggère de vous lever à 5h et de prendre 1 heure rien que pour vous, pour ensuite attaquer la journée correctement. Là, ce n'était qu'un exemple, mais cette routine peut être adaptée à toutes les situations et vous pouvez vous lever à l'heure que vous voulez. Juste une petite parenthèse, le gommage que je vais me faire, je viens juste de regarder en fait sur internet, et je vais tester un gommage pour les mains. Donc c'est avec 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Et il conseillait de prendre de l'huile d'olive, mais moi j'ai préféré prendre de l'huile de coco, donc 1 cuillère à café d'huile de coco. Voilà. Et donc, dans son roman, Hal Elrod a pris comme exemple la routine, vous savez, de se lever à 5h du matin et de faire certaines activités. Lui, il conseille, il a donné comme exemple, ça s'appelle les Life Savers, où en fait, chaque lettre de saver correspond à une activité. Je pense que si là, comment je suis partie, ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc, je vous ferai une vidéo où je vous parlerai vraiment de Miracle Morning, vraiment que de ce roman. Mais en gros, j'ai envie de mettre une vraie routine en place parce que, d'ordinaire, moi, la seule chose que j'ai en place le matin, c'est que je me réveille, je descends me faire un thé, je remonte, je me prépare et ensuite, j'allais, je veux dire, au lycée ou au collège. Ou même là, quand j'avais mon stage d'entreprise, j'y allais et c'est tout. J'avais pas d'activité pour moi le matin. Là, il y a un truc que j'aimerais vraiment mettre en place en 2020. Mon objectif actuel, en fait, mon objectif que j'aimerais mettre en place en fait en 2020 par rapport à la morning routine, c'est que, en fait, actuellement, mon objectif, ça serait de me lever à 7h. Bien sûr, après, ça, je vais le changer en fonction des impératifs que je vais avoir au niveau de mes cours. Mais actuellement, en 2020, je vais commencer donc à me lever à 7h et à prendre 1 heure où je prends du temps pour moi. L'idée, ça serait d'au moins de lire pendant 30 minutes, de faire un peu de sport et le reste, en fait, de me préparer, d'écrire, tout ça. Et tout ça pour commencer mes cours à 8h. Ça serait l'objectif que j'ai, l'objectif que j'aimerais réaliser en fait en 2020. Et ce, pour plusieurs raisons, parce que déjà mes cours vont me prendre beaucoup plus de temps parce que je vais devoir réviser pour mon examen. Et je ne vais pas avoir beaucoup de temps en fait pour finir mes cours et rendre tous mes devoirs. Donc il va falloir que je mette ça très rapidement en place. Ensuite, parce que j'ai envie de lire beaucoup plus et que ce soit vraiment ancré dans ma routine. C'est vrai que le soir, après une journée assez chargée, j'ai pas forcément la motivation,
l'envie ou même le temps, j'ai juste envie de me reposer. Donc c'est vrai, de faire ça le matin, prendre 30 minutes pour lire, ça va énormément m'avancer, on va dire, dans ma routine quotidienne et dans mes chroniques aussi à vous faire. Sachant que l'autre projet que j'ai en 2020, c'est vraiment de me consacrer à ma chaîne et de faire d'un rendu un peu plus professionnel, de mettre vraiment des choses en place, parce que cette année je me suis aperçue, par exemple, que sur mon blog, souvent je chroniquais que des services presse, j'avais arrêté totalement de vous faire des chroniques de romans. C'est pour ça que j'avais mis en place que tous les jeudis j'essaye de vous sortir une chronique hors service presse, et j'ai eu un peu de mal à le faire. Ensuite j'ai pas mal de vidéos de certaines catégories que j'aimerais bien vous sortir. Et voilà, cette routine, ça pourrait m'aider à mettre tout ça en place. Après, ce genre de routine que vous mettez en place, vous savez, ça peut vous permettre de débloquer des choses en fait dans votre quotidien, de réaliser des objectifs, tout ça que vous vous fixez, d'être beaucoup plus productif et, on va dire, présent dans votre vie actuelle. Ça paraît tellement barré ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. C'est pour cette raison que j'ai lu Allelrold et que j'ai lu aussi les accords Toltec, parce que je pensais qu'il mettrait des clés en fait, qui nous proposeraient des clés à mettre en place dans le quotidien. Alors, je vous reprends là parce que j'ai fini le gommage. Je suis en train de faire un masque. Si vous entendez des bruits de fond, c'est que j'ai lancé en fait le second film de Pirates des Caraïbes. Alors, le gommage était vraiment bien. Ça faisait l'huile et c'est vraiment un bon gommage. Donc, je vous le conseille parce que on sent vraiment que ça a enlevé une bonne partie des. Quasiment la totalité des peaux mortes. Et ça fait vraiment du bien en main. Là, je vais me faire un masque éclaircissant parce que j'ai pas eu envie de mettre du sucre ou du miel. Parce qu'en plus du miel, on n'en a plus. Du coup, je me fais un masque éclaircissant avec quelques gouttes de citron avec de l'huile de coco. Et je laisse poser ça quelques minutes. Aussi, par rapport à mes objectifs pour 2020, j'avais envie en fait de faire beaucoup plus de service presse. En plus, bien sûr, des chroniques de romans habituels. L'année prochaine, du coup, je vais terminer mon BTS en gestion de la PME. Je vais ensuite intégrer l'UCO à Laval pour faire une licence professionnelle de libraire. Celle que je voulais faire depuis le début. Et c'est pour ça, en fait, que je voudrais m'entraîner à gérer un peu plus mon emploi du temps par rapport aux lectures et aux chroniques. Parce que, déjà, je vais devoir tout remodifier ma façon de faire une fois que j'intégrerai du coup cette formation, parce que comme je ne vous l'ai pas dit, mais je vais avoir en fait une semaine de cours et deux semaines où je vais être en apprentissage dans une librairie. Et du coup je pourrai plus vous sortir, peut-être c'est vraiment probable que je ne pourrai plus vous sortir, vous savez, deux vidéos par semaine comme j'ai l'habitude de faire. Parce que du coup j'aurai vraiment plus du tout le temps, mais j'aurai un max en fait de chroniques à vous faire sur le blog. Donc en fait je pense que l'année prochaine le blog sera beaucoup plus actif que la chaîne, parce que j'aurai pas le temps de prendre une heure pour vous tourner une vidéo, une heure pour faire le montage. Ça va être un peu compliqué, mais le fait de me lever plus tôt, ça peut permettre en fait de réussir à mieux gérer mon emploi du temps par rapport à ça. Donc ça peut être aussi une bonne chose. Ça fait très longtemps que je m'étais pas fait de masque pour les mains. C'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment, c'est comme se faire un masque au niveau des pieds, tout ça, je l'ai jamais fait. Je me suis déjà fait un gommage au niveau des pieds et des jambes, mais je me suis jamais fait de masque au niveau des pieds. Et c'est vrai que les mains, j'ai déjà fait ça et le rendu était plus agréable. J'ai bien aimé sentir du coup que mes mains étaient très très douce, tout ça, il y avait vraiment toutes les pommettes qui avaient été enlevées. Là j'en ai vraiment besoin parce que la petite, comme le chaton m'a pas mal griffé là ces derniers temps, j'avais, vous savez, des marques de griffure et j'avais des vieilles cicatrices en fait de griffure où il y avait que la peau morte à enlever, et du coup c'est bien d'avoir fait un gommage et un masque. Du coup là je vais faire mes ongles, je vais plus pouvoir filmer parce qu'en fait j'ai mis ma caméra sur la boîte où je mets tous mes vernis à ongles. J'ai juste un petit détail à vous dire par rapport justement au vernis, parce que j'ai trouvé cette astuce là en fait en cherchant pendant pas mal de temps. Mais pour celles qui se mettent du vernis, ou ceux comme vous voulez, il y a une astuce, vous savez, pour qu'ils sèchent rapidement, parce que généralement vous savez, on se met une couche, une autre couche, sauf que un coup par-ci ou un poil par-là, et en fait ça vous bousille le vernis très rapidement. Et en fait j'ai trouvé cette astuce là, je sais plus sur quelle chaîne, où en fait vous mettez le vernis, et pour chaque couche, sauf peut-être la base parce que ça sèche plus rapidement, pour chaque couche de vernis vous allez tremper vos ongles en fait dans de l'huile végétale. Vous le trempez pendant quelques minutes, vous le remuez un petit peu, ça fait des petites bulles, donc je pense que c'est l'humidité en fait qui s'enlève de l'ongle, mais
se trouve, je dis des bêtises. Et en fait, vous le remuez dans la l'huile végétale, vous attendez un petit peu. Mais ça dure quelques secondes à peine. Mais si vous voulez un vrai bon résultat, attendez au moins une minute. Et ensuite, vous vous rincez les mains à l'eau très très froide. Évitez non plus de faire des gestes de fou non plus. Et ensuite, vous essuyez les mains. Et la première, par exemple, la couche que vous venez de faire, elle ne bougera plus. Je l'ai déjà fait. Et par exemple, le vernis là que j'avais, que je me suis enlevé, je l'ai mis jeudi dernier, je n'ai pas fait l'astuce. Du coup, même avant jeudi, dès le lendemain, en fait, j'avais déjà des bouts, vous savez, sur le bout de l'ongle qui était parti. Alors qu'avec cette astuce-là, le vernis peut tenir pendant au moins 2 semaines sans trop bouger. Genre, pour 2 semaines, là, vous voyez qu'il y a un petit accroc, c'est tout. Ça peut vraiment vous changer la vie. C'est une super astuce, voilà, je voulais la partager avec vous. Et du coup, c'est parti pour mon vernis. Je vous montrerai le résultat final demain. Parce que je pense que je vais arrêter le vlog pour aujourd'hui. Et du coup, je vous reprends pour le 24. Parce que j'aurai quand même pas mal de contenu à vous filmer le 24 et le 25. Donc je m'arrête là. Je reprendrai, si je fais les emballages cadeaux aujourd'hui, je vous reprendrai. Mais sinon, c'est fini pour aujourd'hui. Calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Le 27 décembre et je vous reprends parce que ça fait quelques jours là que je n'ai pas du tout filmé à part quelques petits morceaux. Alors donc, le 27 décembre, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai reçu à Noël et vous raconter un petit peu voilà comment ça s'est passé. Le 24 du coup j'ai passé la journée, j'ai fait les emballages des cadeaux le 24 au matin, comme vous avez pu le voir. Et en fait le reste ça a été, je crois que je me suis fait un masque aussi ce matin-là.
Et puis après, j'ai glandé toute la journée, j'ai lu, j'ai été sur mon ordinateur, tout ça. Puis jusqu'au soir où, du coup, on a commencé à préparer. Voilà, j'ai fait aussi les gâteaux, mais là, je ne vous ai pas filmé parce que mon téléphone, il n'y avait plus de batterie. J'ai pas pu. Et du coup, bah, le 24 au soir, on a fait, voilà, on a fait notre repas. Donc, c'était juste des petits toasts, tout ça, un apéritif dînatoire. Le 25, du coup, le matin, j'ai été chez mon copain. Le midi, on a été manger du coup chez son oncle. C'était un gros repas. Donc on a commencé à 13h, on a fini à 19h. Voilà, donc je suis rentrée, j'étais fatiguée. On s'est mis devant un film, j'ai regardé Train to Busan, le dernier Train to Busan. Et c'était avec un acteur que j'aime beaucoup qui joue justement dans la série dont je vous ai parlé, le drama dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit du drama Gobelin. Et du coup, l'acteur principal en fait de cette série, enfin, un des acteurs principaux, joue dans Le Dernier Train pour Busan. Et j'ai trouvé qu'il jouait super bien. Du coup, je suis revenue chez moi le 26 et je me suis reposée. Je compte faire la même chose aujourd'hui parce que pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai des lectures en retard. Je voudrais vraiment m'avancer, finir le tome 6 d'Harry Potter. J'ai terminé un service presse ce matin, j'ai terminé du coup le chemin de Baphomet. De Baomé, je sais jamais comment le prononcer. C'était le service presse dont je vous parlais. Je vous ai parlé du service presse de Arnaud Niclot que je devais lire pour le 1er janvier 2020. Et en fait, je vous ai dit qu'il s'appelait Avid, mais c'est pas du tout ça. C'est un autre service presse. Avid, je me suis totalement trompée. Et du coup, je l'ai fini ce matin, ce recueil. Il était juste, mais génial. J'ai pas été déçue. C'est voilà, j'avais déjà vu ça dans Les Brumes du Labyrinthe et dans Terminus pour l'Humanité. Il est vraiment, c'est la même plume. J'ai retrouvé vraiment le même état d'esprit. Et j'ai bien aimé ma lecture, mais je vous en parle un peu plus dans ma chronique. Et la chronique vidéo va arriver en janvier, parce que je vais pas pouvoir réussir à vous mettre, vous savez, vous mettre en ligne des vidéos en autre lecture. Ni vous tourner en autre lecture, ça va être compliqué. Du coup, c'est parti pour vous montrer ce que j'ai reçu. Déjà, vous en avez vu, hein, c'est le bol avec lequel j'ai mangé ce midi. En fait, avec mon père, on a l'habitude de se faire pas mal de soupes chinoises. Vous savez, les espèces de petits ramen qu'on achète, des nouilles déshydratées. Et nous, on se les fait à la maison, donc on rajoute plein de trucs. Moi, j'ai mon petite routine, en fait, spéciale nouilles chinoises. Et à chaque fois, je lui prenais son bol parce qu'il en avait un beau bol, tout ça. Et du coup, comme il en avait marre, il m'en a offert un Noël. Donc, vous l'avez vu sur la vidéo. Et voilà, comme je l'ai utilisé, je peux pas vous le montrer là. Alors, il y avait juste un truc que je voulais absolument pour Noël, que j'avais demandé à ma famille, c'était le tome 7 d'Harry Potter, et du coup je l'ai reçu, et je vais pouvoir enfin finir de la lire. Donc je suis plutôt contente, il a l'air... il fait peur, comme il fait peur, je sais plus combien de pages il fait. Il fait... Je sais pas, ah, il fait 800 pages, voilà. Donc le tome 7 d'Harry Potter, je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire. Là, c'est même sûr que je vais pas avoir le temps de le lire avant la fin de l'année, donc je pense que je le commencerai début de l'année prochaine. Ensuite, j'ai reçu, toujours dans Harry Potter, j'ai reçu un mug serre-d'aigle en forme de chaudron. Voilà, parce que quand j'ai été acheter mon gilet serre-d'aigle, et ben j'avais vu qu'ils avaient des bols, des tasses, et ils avaient aussi des mugs mais en forme de chaudron. Et quand je suis rentrée, je dis ah, ben ils ont ça, tout ça, c'est trop beau, j'en veux trop un et tout. Et du coup, ma mère, elle a regardé pour m'en prendre un. Voilà. Désolée pour le bruit, je voulais juste vous le sortir pour vous le montrer. Alors, du coup, il est protégé comme ceci. Et du coup, il y a marqué Ravenclaw. Et derrière, il y a le blason de Ravenclaw. Voilà. Il est magnifique. Après, je ne sais pas si je vais boire dedans ou si je vais mettre mes marque-pages. Bah, je pense qu'il est suffisamment grand en fait pour mes marque-pages, donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je crois qu'il peut faire même dans la bibliothèque, donc peut-être que ça va servir pour mettre mes marque-pages. Voilà. À chaque fois, je me trompe parce que mon téléphone n'est pas du bon côté. D'habitude, ma caméra, elle est à gauche, alors que là, maintenant, elle est à droite. Enfin, le petit bouton caméra. Voilà, je mets ça là. Et ensuite, j'ai reçu aussi une petite enveloppe, des cartes de Noël. J'ai reçu aussi une espèce de décoration, une espèce de grosse boule de Noël que je ne sais pas comment je vais l'accrocher dans le sapin. Mais du coup, c'était une petite décoration que j'ai eue au repas chez mon copain. Et du coup, je vais l'amener. J'ai reçu aussi une belle boîte de chocolat que je n'ai pas encore ouverte parce que j'en ai une autre de la part de ma grand-mère qui est un assortiment de chocolat bio que j'ai déjà commencé à manger parce que voilà, c'est Noël et c'est des chocolats. Voilà. Et d'ailleurs, je vais en reprendre un maintenant parce que ça me donne trop envie. Puis, vu comme j'ai mal au dos, bah voilà, j'ai besoin de réconfort.
Je sais pas si c'est la meilleure idée de manger du chocolat alors que je suis en train de tourner une vidéo. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, je me suis fait mes ongles que je ne vous ai pas montré. Alors lui, il a un petit pet. Donc je vais vous montrer plutôt celui-là. En fait, j'ai fait bleu foncé et bleu clair. Et je me suis amusée, j'ai mis des autocollants, j'ai fait une espèce de forme, voilà. Donc je ne suis pas très douée pour me faire les ongles d'habitude. Mais là, j'avais pris bien le temps. Après mon gommage, j'ai pas pu du coup vous filmer parce que à chaque fois j'allais, vous savez, faire ma petite astuce d'huile végétale pour qu'il se fixe. Et du coup, j'allais pas prendre mon téléphone avec de l'huile plein les mains. Voilà. Donc comment ça va se passer aujourd'hui et le restant de la semaine? Aujourd'hui, je vais lire le tome 6 d'Harry Potter. J'aimerais bien aussi me lire des romans de Noël, parce que c'est vrai que Noël s'est un peu passé. Je pense que ce que je vais faire, c'est que ce week-end, je vais me faire un petit week-end de lecture où je lis les 4 romans de Noël que j'ai prévus pour le Challenge Cold Winter. Pour l'instant, sur le Challenge Cold Winter, j'ai lu Level 26 dans Stalactites Ensanglantées. J'ai rajouté du coup aussi le recueil parce que c'était aussi de l'horreur. Enfin, c'était de l'horreur, du thriller, c'était de la violence, enfin, c'était très sombre. J'ai lu également La Fée des Dents dans La Magie de Noël. Et du coup, le Harry Potter va se rajouter aussi dedans. Et j'aimerais bien finaliser tout le menu, du coup, du menu pour les livres sur Noël et tout ça, et sur le Nouvel An. Voilà, ensuite, sinon, voilà, je vais me reposer, je vais m'occuper du blog, de la chaîne. J'ai ce montage-là à faire, à commencer, comme ça, ce sera fait. Je pensais aussi vous tourner des lectures comptées en avance, comme ça j'en aurais pas mal à vous mettre en ligne. Parce que du coup je dois rester assise, j'ai pas besoin de bouger, donc tant mieux. Je suis plutôt contente aussi, c'est que c'est le 23 je crois, soit c'est le 23, soit c'est le 24, c'est possible que ce soit le 24 que j'ai fait ça, où j'ai tourné une nouvelle intro et une nouvelle conclusion pour la chaîne. Je suis assez contente du résultat, vous le verrez du coup sur la prochaine vidéo, pas sur le vlog parce que les vlogs sont assez longs, donc j'évite de mettre une intro ou une conclusion. Depuis lundi aussi avec mon père, on a recommencé à se regarder les Harry Potter. Voilà, donc on s'est vu, on a réussi à chaque fois qu'on en a regardé un, j'ai mis on en a regardé deux d'affilée. Donc là nous sommes rendus au 4e film que nous avons terminé. Et logiquement ce soir on va essayer de se regarder le 5e, donc c'est pour ça que je vais me dépêcher de finir le tome 6, qu'on puisse enchaîner du coup sur le 6e film. Et le tome 7, voilà, il attendra, il fera pas. Du coup, après cette session, on va dire ces 4 premières semaines de Vlogmas, je voulais continuer à vous tourner des vlogs, mais du coup plus sur la lecture et sur le challenge Cold Winter. Donc je serai encore à peu près dans une ambiance hivernale, mais ça va être énormément du coup de lecture, de révision et de contrôle durant le mois de janvier. Et je m'étais dit que j'allais me faire un défi, c'est que comme mon objectif de base c'est de me aller réveiller à 7h et que pour l'instant je suis rendue à 8h où je me réveille naturellement et que je me lève sans difficulté, je m'étais dit que pour le vlog du coup, les vlogs je veux dire, du mois de janvier, j'allais devoir vraiment vous prendre, être réveillée et que je vous dise coucou tout le monde, il est 7h, j'ai réussi à me lever. Et ce qui est pas mal c'est que du coup normalement une nouvelle routine se développe au bout de 21 jours, c'est pour ça qu'ils préconisent souvent d'en faire une pendant 30 jours. Et du coup, comme le mois de janvier a 31 jours et que sans doute que le 1er janvier, je ne vais pas être réveillée à 7-8 heures, je pense que ça serait vraiment bien que je vous fasse un vlog, donc je vlogue un tout petit peu tous les jours et que je vous dise c'est bon, j'ai réussi mon objectif. Ça serait plutôt pas mal. Je pense que je vais faire ça parce qu'en plus, ça serait une très bonne motivation et ça me permettra en plus d'instaurer une nouvelle routine sans, avec un avantage. Parce que du coup, j'aurai une réelle motivation pour me lever et pour vous prendre du coup pour me mettre face à la caméra. Nous sommes le dimanche 29 décembre. Alors je ne vais pas, à la base je voulais faire mon bilan en fait aujourd'hui parce que je voulais faire le montage aujourd'hui comme je ne vais pas avoir le temps parce que je pars ce soir chez mon copain pour
le nouvel an. Sauf que du coup, je pense que je vous ferai mon bilan seulement quand je vais rentrer en fait de ma soirée du nouvel an, parce que je vais inclure le nouvel an en fait dans ce vlog. Et sans doute que je ne ferai pas du coup un vlog la première semaine de janvier, parce que je vais prendre le temps du coup de vous faire, vous savez, de m'organiser entre guillemets. Si vous entendez du bruit, c'est que Pandore en fait joue avec une énorme boule de papier que je viens de lui donner. Et donc en fait la première semaine de janvier, après le premier, je vais surtout m'organiser et me faire un plan de révision et de travail par rapport à mes cours, parce que le mois de janvier va être exclusivement en fait sur mes études et sur mes cours. Donc du coup je vais devoir faire plein de devoirs et tout ça et je vais être plutôt occupée. Donc je vais bien sûr vous faire des vlogs par rapport à ça, par rapport à mes études et à ma lecture et au truc de développement personnel dont je vous ai parlé. Mais je vous ferai pas ça la première semaine de janvier, parce que du coup je vais surtout m'organiser. Voilà. Donc ça, ce que je viens de vous tourner, je vais le mettre du coup sur mon ordinateur et je vous filmerai tout ce que je peux pour du coup le nouvel an. Et Pandore vient d'arriver sur le bureau. Dis bonjour. Je suis toujours en train de lire Harry Potter, le tome 6. Comme vous avez pu le voir, nous nous sommes regardés les 5 premiers volets avec mon père. Et du coup, je voulais me dépêcher de lire le tome 6 en fait pour qu'on puisse regarder le 6e film. Mais là, je vais pas avoir le temps. Ce que je vais lire là durant les quelques jours où je vais être chez mon copain, je vais lire du coup le nouveau livre de Hal Elrod. Donc, c'est The Miracle Equation. Je l'ai commencé hier soir, il est plutôt pas mal. Et je vais aussi me lire les livres de Noël que j'avais mis sur ma liseuse. Je pense commencer par Gourmandise de Noël parce que c'est un recueil de nouvelles. Donc du coup, ça va être assez rapide. Ma lecture va être plutôt rapide. Donc du coup, voilà. Je vais lire ça. J'essaie de vous tourner quelques séquences du Nouvel An. Et puis je vous retrouve du coup plus tard.